Created in 2010, the Observatory of Indian Ocean Societies brings together over 120 researchers, specialists in the humanities and social sciences, but also in law, literature, and economics. Over the years, this federation, which favours interdisciplinary and multidisciplinary approaches, has built an extensive network of international partners, all of whom are motivated to understand the societies of the Indian Ocean. In November 2019, the University of Reunion Island hosted the Observatory's second international conference with the theme, The Indian Ocean in the 21st Century, Transitions and Mutations. La deuxième conférence internationale de 2019, c'est pour l'OSOI la marque de l'intensification de sa politique internationale, la marque de la valorisation des recherches sur les sociétés de l'océan Indien. C'est une autre dimension, une autre échelle. C'est un deuxième rendez-vous, il y en aura d'autres. Et je crois que c'est un bon chemin, un bon cheminement pour développer en effet la connaissance et les savoirs sur l'océan Indien. In 2017, this is the second edition. And again, I see that the panels are rich. Ce deuxième colloque sur les mutations et les transitions dans l'océan Indien au XXIe siècle va apporter beaucoup en termes de réflexion. Nous avons bien sûr l'honneur et le plaisir de recevoir le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien. Et c'est cette occasion aussi de réunir les talents, les intellectuels qui travaillent sur cette zone indienne-océanique. Et il nous faut défendre, nationalement et internationalement, l'existence même de ce concept d'Indian-Océanie. Si pour nous il est reconnu et d'évidence, ce n'est pas toujours le cas depuis Paris. À nous de le défendre, et le plus bel endroit sans doute pour le faire, eh bien, c'est les Mascareignes, et dans les Mascareignes, à La Réunion. Bon, j'ai eu à expliquer à un Sud-Africain que La Réunion n'est pas une colonie. Ça m'a pris une année pour expliquer. Before the researchers began their talks, this second conference started with highly political addresses. This offered an overview of the stakes in the Indian Ocean region, highlighting how coveted it is. L'océan Indien, comme je l'ai dit dans l'intervention, a été longtemps relativement négligé. Aujourd'hui, on est dans une phase de mutation parce que les équilibres et les rapports de force sont en train de changer. Et ce qui est important, c'est de comprendre l'évolution de ces rapports de force. On a un accroissement de la militarisation de la zone, on a un accroissement des enjeux dans la zone, et parallèlement, on a toujours aussi peu d'institutions capables de gérer les conflits éventuels, ou en tout cas les tensions éventuelles qui existent à l'intérieur de cet espace. Comme je l'ai déjà dit, ce colloque, il est nécessaire. Il est nécessaire parce que c'est un des vecteurs par lequel on peut, le corps professoral pourra faire passer des idées au niveau des États qui nous gouvernent. Alors, j'ai proposé que ce colloque puisse se déplacer, dans la mesure où le ZOI a des relations avec toutes les universités de la région. Pourquoi ne pas faire en sorte que l'Université de La Réunion organise ses conférences dans chacune des universités de nos États? Ça sera intéressant de faire parler les autorités de ces États-là dans ce grand débat de l'Indian-Océan. On a proposé ce matin, on a discuté du fait que les institutions régionales sont assez peu outillées et investies sur ces questions. A total of over 40 researchers from the world over were able to present their work. After each presentation, time was scheduled for the audience to react to ask questions, enriching the thinking. Les îles qui commencent à peine à s'ouvrir en tourisme. Non, c'est une mise en tourisme. Nous sommes encore dans la construction de cette fédération de recherche et de ce réseau océan Indien. Et oui, le réseau se bonifie à la fois sur les problématiques, sur les participants. Et cette année, c'est avec grand plaisir que je note la venue de plusieurs délégations plus importantes, par exemple de l'Inde, de l'Australie. Et donc, on sort un petit peu justement de ce microcosme Indian-Océanie pour véritablement embrasser les problématiques à l'échelle de l'océan Indien large. India itself is a major example of climate change scenario that the country is being faced with, and Saint Denis and Réunion is a microcosm of the whole impact of climate change. So that was the major driving force, and of course the whole idea of coming down to this little known territory, at least in India, was very exciting. Secondly, I think Chan San, I think it's a very important initiative. We call it Maritime
super yacht. I have attended many this kind of a conference before in different continents, United States, European, China, but I think this is very unique in the ocean because this topic is very, very different. So you can find we have a lot of participants from different places. Very interesting conference. Alors je pense que quelque chose d'extrêmement positif. Il y a un besoin d'explication, il y a un besoin de dialogue, il y a un besoin de clarification des positions des uns et des autres. Et évidemment, il y aura des désaccords et évidemment, il y aura des tensions, mais c'est quelque chose de sain et de souhaitable. Et c'est en ce sens-là, je trouve que ce que fait l'OSOA est une excellente initiative. This year, the conference steering committee wished to include PhD students. Two panels were made available to them, a true opportunity for these young researchers. On est fiers de montrer ce qu'on a produit et en même temps on est un peu stressé parce qu'il y a le regard des autres et de nos pairs, surtout quand on est doctorant, donc on est des chercheurs en formation, donc là c'est vraiment nos mentors en fait qui observent ce qu'on est en train de produire et comment on va prendre ensuite leur relève. Et très rapidement, la base navale qui est créée est nommée l'un des principaux points d'appui de la flotte. Des fois, on est tellement centré sur son sujet qu'on oublie ce que peuvent faire les autres. Et là, ça, c'est des moments où on peut justement se rencontrer et discuter de ce qui se fait ailleurs et avoir cette ouverture d'esprit. Alongside the researchers and PhD students, the master's students from the University of Réunion were able to attend the various events and even make contact with the guest academics. Ça me permet de m'épanouir intellectuellement. Et voilà, et rencontrer des nouveaux chercheurs. On apprend plein de choses sur la géopolitique, sur l'art, sur le sport. Ça ouvre l'esprit, c'est quand même intéressant de voir toute la géopolitique de tous les pays. C'est une super occasion de voir justement les chercheurs nous apporter concrètement leurs connaissances, parce qu'on a plutôt l'habitude de travailler dans notre coin, surtout là en master, avec ce qu'on a à écrire, puis les examens des cours et autres. Ça peut donner des idées pour le futur. Par exemple, si on envisage de faire une thèse, on peut prendre des contacts avec des pays étrangers. Par exemple, là, il y a des gens aussi bien indiens, on vient de voir, chinois, canadiens, français évidemment, et des grandes universités, donc c'est bien de prendre des contacts. Il ne tient donc qu'à vous de décider quelle image vous souhaitez rendre de cette manifestation. And so it was on a humorous note, organized by the students present, that these 2 days of conference came to an end. These 2 days were filled with very intense thinking and exchange. C'est une réussite en termes de participation, en termes de débat, débat avec les chercheurs, débat avec les doctorants, avec les étudiants, débat de géopolitique, débat avec le secrétaire général, débat sur les thèmes de l'Inde avec un panel passionnant, débat sur les thèmes de sécurité, sur les problèmes militaires, sur la globalisation culturelle, droit, économique. Je pourrais continuer. On a essayé de répondre aux questions multiples, transition et mutation dans l'océan Indien au XXIe siècle. Je pense qu'on a apporté de nombreuses réponses et répondu en partie à tous les défis, aux enjeux de l'océan Indien.